Yo, tout le monde est sur une petite vidéo, donc je suis VS le Crocobur en Sadida. Je vais essayer de vous présenter le combat, ma manière à moi dont j'ai essayé de faire pour win. Donc j'ai opté pour la stratégie du retrait PM. On verra si c'est payant. Là, pour le coup, c'est plutôt cool comme départ, même si elle a commencé déjà à m'éroder. Voilà, donc on va y mettre un poison parce que les poisons c'est une source de dégâts assez régulière, donc on le fait, c'est plutôt pas mal. Et Cash, on invoque une surpuissante pour essayer de lui stacker des invoques dans la gueule, donc là normalement il pourra pas me taper. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je mets des arbres dans le fond. Ah, il me tape, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, son tour de jeu était plutôt médiocre. En gros, rien de grave pour moi. Donc là, on va avancer. Tac. Il faudrait que j'arrive à mettre en place comme je veux qu'il soit et ça serait cool. Donc là, je me re-recule. Impeccable. Donc je vais essayer de le reculer. Attirance. Parfait. Il faudrait que j'ai ce passage de libre, tu vois. Et si j'ai que j'arrive à caler des arbres vers là-bas pour à chaque fois essayer de le réattirer. Donc là, ce qui va être le cas. Non, toujours pas. C'est pas grave. Au moins, il est placé. On n'a plus de PO. C'est ballot. Donc on va kicker du PM. Allez, allez, allez. Bon. C'est pas ouf, ouf comme kick PM. Malheureusement. On va charger une sacrifiée. Peut-être ça pourra le taper. Ou alors. Non, vous savez quoi? Je vais mettre une gonflable. Si la tue pas, ça me fera du free PM. Comme mon arbre là-bas, il va mourir. Et après, le combat sera en place. Le plus dur, de toute façon, c'est le début. Hein. Parce que je compte pas faire une technique auto-win, mais il faudrait, en fait, si vous voulez, il faudrait qu'il soit dans cette zone-là. Quand je vais voir le déloc. Donc, bref, on lui met maintenant la vaudou pour pouvoir vraiment le roxer. La ronce apaisante qui passe pas du tout. C'est assez casse-couille. À faire un arbre. Et je vais en mettre un vers là-bas pour le réattirer plus tard. Quand on se casse, voilà, vous voyez, très bien. On l'attire et on essaye de se casser également. Si on arrive à le détacler de 1, je prends. C'est pas beaucoup, mais je prends. Donc là, ça serait cool qu'on arrive à le déloc maintenant. Qu'on va tout faire pour. Hop. Hop. Hop, ça passe. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais me mettre ici. Ouais, ça va. Ça crame pas trop. Je vais me prendre le soin de ma gonflable. Et en plus, ça reste là. Donc ça va avancer. Je vais pouvoir mettre une épée ici. Vous allez comprendre par vous-même le but du combat. Donc là, on va mettre un arbre histoire de bloquer, on met un truc comme ça histoire de une épée comme ça. Merde, c'est dans les sorts spéciaux, géniaux. Implanter du crocobure pour justement le choper. Et là, on va prier pour avoir du bon kick PM, ça serait hyper cool. Il y en a pris moins 2, donc je prends. Et on va essayer de lui envoyer une bloqueuse par là-bas. Et nous, on reste à côté pour rechoper ça en fait. Tu vois. Le but du jeu, c'est de rechoper l'épée à mon tour, quoi. Voilà. Donc là, je vais choper l'épée. Et je vais reculer. Donc il a passé tout son tour sur mon arme. C'est pas hyper dérangeant ce qui vient de se passer. Donc là, on a le deuxième sort qui permet de ramasser l'épée. Récupérer Crocobure. Hop. Impeccable. Vous voyez, comme tout à l'heure. Je suis pas un super-héros, les gars. Donc je recule. Ça passe pas du tout. Le kick PM est dégueulasse. Mais bon, je vais m'attirer là-bas avec mon route. Et ça devrait faire le café avec mon train, pardon. On va maîtrise de l'arme. Pour rien, mais on va le faire quand même. Histoire de montrer qu'on est optique, qu'on utilise tous nos PA. Et je vais là. Pour essayer de baiser la ligne de vue. Normalement, il ne l'a pas, à part sur mon arbre.
C'est parfait. Là, le gardien est pas dans. Il est un peu dans le mal. Maintenant, on va tuer. Faut pas encore tuer le crocodile là, donc on le tuera plus tard. On continue le kick PM, ça va tuer le crocodile en bas. Voyez, on n'est pas dégueu, 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 dégueu. Donc, vu qu'il est dans le mal, on fait un gros histoire de le sauver. Et je me mets un arbre devant moi. Voilà. Donc, on va rentrer dans la deuxième partie du combat. Donc, on se recule tout simplement pour essayer de sauver l'arbre, juste. Hein. Voilà. Même si on n'était pas obligé de faire ça. Là, il casse les couilles à réinvoquer une merde pareille. Il est temps pour nous de commencer à essayer de devenir méchant avec lui. Hop. C'est très bien, on en a tué un. Il va falloir qu'on tue le deuxième tour d'après. Même si le crocobure risque de nous taper là. Non, même pas, il va aller sur mon arme, donc c'est plutôt cool. Enfin, le crocobure, t'as compris quoi. Le crocobulo, là, je sais pas quoi. Je mets l'état comme ça. Hop, on tape, on tape, on tape. Lui met un triomphe. Ouais, pour essayer du kick des PM. Et nous on se casse, on met un arbre au loin. Voilà, comme ça si on doit s'attirer, c'est plutôt cool. Donc, vous voyez, la vita elle descend petit à petit. On peut aller dans la glyphe, c'est pas dérangeant. Et on se décale en fin de tour. Donc là, ça lui a pas mis de kick PM, mais c'est pas dérangeant. Là, on va tuer maintenant ce monsieur. Impeccable. Et on continue tout doucement à taper le crocobure. On va même se payer le luxe de faire une gonflable. Et de mettre un arbre par là-bas si jamais on en a besoin. Donc en fait, voilà, on s'est dit le but du jeu, ça va être clairement de le faire galérer, de faire tout le tour. Voilà. Donc là, il a invoqué Crocobur, je pensais pas qu'il allait invoquer tant, donc heureusement que je me suis placé loin. Là, bim, si vous avez suivi, vous savez déjà ce que je vais faire. Donc un truc comme ceci, on va en infecter un. On va mettre une épée comme ça. On va mettre une surpuissante pour essayer de kicker du PM parce qu'on est un mec comme ça nous. On se cache derrière notre épée et on met un arbre. On sait jamais si ça peut nous aider ou pas. Bon du coup la crocobure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer la puissance de crocoburio. Voilà, ça l'a fait. On récupère le crocobure et après à la fin il va rester que à le taper un coup. Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est ma deuxième tentative seulement pour ce combat. C'est réellement ma deuxième tentative. Donc c'est pour vous dire que c'est pas hyper compliqué. Là, on fait juste le truc le plus chiant, c'est tuer les crocodiles, voilà. Et on va quand même essayer de faire un kick PM sur le crocoburio, histoire de ne pas être totalement couillon. Là, il peut avancer bien, j'espère que ma surpuissance va faire le boulot. Du kick un PM, c'est parfait. Donc, pour vous donner une ordre d'idée sur ce mode, j'ai combien d'esquives? J'ai 2 retraits, pardon. J'ai 113 retraits PM. Il a 150 d'esquive, j'ai 113, et vous voyez, ça passe tout de même. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un essai. Donc là, on peut voir que je suis un trou du cul. Genre, vraiment. J'ai tapé dans le vide à force de raconter ma vie. On adore. Bah écoute. Je pense qu'on va. On va tout de même finir ça, au moins on est tranquille. Et on va temporiser un petit peu. Vous voyez, la glyphe, elle est de plus en plus grande du crocoburio. Donc avec mes conneries, là, genre, je vais cliquer 0 PM, il va pouvoir me taper. Prochain tour, je vais être dans sa glyphe. À cause de moi. Non, il recule. C'est plutôt pas mal. On coquille, c'est régène. Pourquoi pas. Donc, grâce au groot ici, on va essayer de d'aller là-bas. On va lui cliquer des PM encore. Est-ce qu'on pense cliquer plus de 1 PM? Je pense que oui. Ouais, on a un kick 2. Ça devrait aller. On va mettre un arbre devant nous. Comme ça, on pourra se tremblement tour d'après. Et on est pas mal. Donc là, avec le Groot, vous voyez, j'attire. Je risque d'être dans sa glyphe, mais c'est pas grave. Normalement, j'ai les PM de la gonflable. Moi, ce qui la tue. Moi, je suis quand même pas dans sa glyphe. Bénef. Donc, hop.
Je me tremble moins comme je vous avais dit pour essayer de remonter. Il va falloir que j'ai un peu de chat sur les esquives, mais sur les retraits, ouais, pardon. Là, tu vois, par exemple, c'était parfait. On met un autre arbre là-bas pour essayer de l'occuper, genre. Si on doit remonter, nous. Donc là, on le met là-bas pour essayer de l'occuper. Et si vous avez suivi, je sors cet arbre tranquillement, juste pour me protéger et le reculer de sa portée. Vous voyez, à une case près, je suis pas dedans. Ce qui est plutôt cool. Là, il m'a kické de la portée. Il faut faire juste attention. Hop. Là, je monte et je mets un arbre devant. Je suis pas dedans. Là, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, si jamais je le déloque maintenant, le truc aurait été en haut. Mais j'ai pas pu le déloque maintenant, c'est pas grave. C'est que partie remise, on n'est pas pressé, je vous le rappelle. Le but du jeu, c'est de faire les dégâts. Voilà. Je vais juste invoquer une gonflable pour le bonus PM si jamais je dois le déloque. Et voilà. Avec l'arme. Je vais me décaler, je vais l'attirer. Au moins tous mes invokes sont safe. Il est toujours empoisonné ou pas? J'ai pas fait attention. Non, toujours. Ouais, c'est toujours un peu, donc ça va, ça passe. 2000 HP. Là, il faut que le kick PM y passe, hein, sinon je vais être dans la merde. Et pour qu'un kick PM passe, il faut un peu de chat, hein, je vais pas me mentir. Voilà, moins 2. On fait ça, je peux même me payer le luxe de faire une surpuissante. Je serai dans le truc, mais c'est pas trop dérangeant. J'ai juste peur qu'il invoque, qu'il soit à Lovita. Vous voyez, je suis dedans. Mais ça reste supportable. Et là, je vais juste redescendre en fait. Je fais un truc comme ça. Un truc comme ça. Là, je fais un arbre route. Arbre. L'arme. Et après, il va invoquer sa putain d'épée de merde. Il faut espérer qu'il invoque en bas. Parce que s'il invoque mal, je suis dans la merde. On va bien voir. S'il te plaît, survie. Mais pourquoi t'es une connasse comme ça, la gonflable? J'avais besoin de TPM. Là, il va vers le haut. Pourquoi pas? On va dire que c'est le choc des titans un peu là maintenant, entre lui et moi. Bah vas-y, hein. Je vais reculer. On n'est pas pressé, je recule. Je suis pas dans la glie, vous inquiétez pas, voilà. Là, on repart comme au début, on lui remet un poison, on lui remet du kick PM. Donc c'est répétitif, vraiment, il n'y a aucun skill sur ce genre de combat. C'est de la persévérance. On se recasse, on va aller plutôt vers là-bas. Je sais pas à combien d'HP je dois le descendre, c'est ça le problème. Donc je sais pas ça, ça peut vraiment me faire galérer. Je vais mettre la surpuissante ici, la gonflable ici, pardon. Hop. Mettre le Groot là pour essayer de l'attirer. Moi je vais me cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, écoutez, on va aller là. Normalement, j'y suis pas. J'envoie le truc ici. Est-ce que ça passe? Là, vous voyez, il reste pas beaucoup d'HP à descendre. Hein. Donc, voilà. Il faut juste que j'aille lui mettre l'épée et c'est bon. Donc, si tu pas ma gonflable, ça devrait aller. Donc, c'était pas un tuto. Hein. Vraiment, c'était pas un tuto. C'était juste pour essayer de vous montrer comment moi je me débrouille. Ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut forcément faire si vous voulez gagner. Mais c'est comme ça que moi, j'ai gagné. On tue les crocos, mais il n'y a pas besoin. Normalement, si vous passez le tour, il suffit que la crocobure tue le truc et ça devrait passer. Voilà. Donc c'était Flansa en Sadida contre l'esprit du crocoburio. C'est réellement ma deuxième tentative. Donc dans le stuff en question,
C'est de la double martegel, ceinture salvateur, etc. Vous pouvez réellement virer ce trophée pour mettre le trophée 12 retrait PM pour augmenter encore en retrait. Et même mettre plus de stats en sagesse, etc. Vraiment, il y a moyen de monter un peu plus. Bref, c'était Flansa. Si la vidéo t'a plu, lâche ton like. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!